Bon matin à toutes et tous. Eh bien voilà, on se retrouve pour les petits conseils de la carte d'aujourd'hui, plus les messages de Ponopono et de la pensée positive, n'est-ce pas, de ce mercredi 16 octobre 2024. Et j'ai une énorme pensée pour ma petite fille, dont c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, ma petite fille Manon, c'est son anniversaire, 10 ans, voilà, ça devient une petite demoiselle. Voilà, je ferme la parenthèse. Et puis aujourd'hui, la pensée positive de ce 16 octobre, même les petits gestes ont leur importance. Se souvenir que c'est dans les petites choses que l'on reconnaît la valeur d'un homme. Ainsi, même un acte en apparence sans importance en dit long sur nous-mêmes. Les petits gestes, c'est ce qui fait que ça nous rend heureux chaque jour. Faut pas que ça soit dans l'ostentatoire. Hein? Vraiment. Allez, aujourd'hui j'ai pigé la carte numéro 36. N'envie pas les autres pour ce qu'ils possèdent, ne deviens pas ce qu'ils sont, ne les juge pas non plus, tu perdrais un temps précieux pour toi. Vis à leur côté, mais pas dans leur regard. Donc, il faut vivre à côté d'eux, mais ne pas vouloir être eux. Il y a peut-être de la jalousie, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le conseil pour les finances. Apprenez à respecter vos plaisirs sans charger l'approbation ou le jugement de votre entourage. Ça, c'est le conseil pour les finances. Conseil pour le sentimental. Il n'existe aucune perfection, seulement celle que vous vous imposez. Ne cherchez pas à faire en sorte que votre histoire soit aux normes de la société, mais cherchez plutôt à faire en sorte qu'elle soit fidèle à vos sentiments. Encore une fois, ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Soyez bien à l'aise pour prendre ce qu'il vibre en vous, n'est-ce pas? Et vous avez toujours aussi encore votre libre arbitre. Et puis, il faut être prête à entendre, voilà, les choses qui ne vont pas et les choses qui vont bien. Il faut être ouvert au dialogue, à la communication. Professionnel, si vous ne vous sentez pas à la hauteur de vos collègues, c'est justement parce que vous avez su rester vous-même. Avant de leur prouver vos capacités, eh bien, prenez-en conscience. Présentement, vous avez aussi des capacités. Ne l'oubliez pas. Et côté spirituel, n'est-ce pas? Gardez en tête que personne n'est supérieur à personne. Si l'on vous trouve trop différent, soyez-en fier. Si cela vous convient, ou apprenez seulement à rester vous-même sans attente. Personne n'est supérieur. Vous allez avoir des personnes qui intellectuellement sont beaucoup plus supérieures que vous. Mais par contre, ces personnes-là ne seront pas manuelles. Donc, vous êtes manuel et la personne à côté de vous est intellectuelle. Mais il n'y a pas de supérieur. Vraiment. Et si vous vous sentez moindre parce que vous n'êtes pas intellectuellement doué, arrêtez. Vous êtes vous-même et vous avez des capacités que l'autre n'a pas. Vous savez, moi je dis toujours, une personne
intelligente, pour moi, c'est une personne qui sait parler de tout. Mais peut-être que la personne intellectuelle, elle ne sait juste parler de ce qu'elle a appris. Donc, elle a vraiment des œillères. Si vous lui demandez de parler d'un sport, de parler, je ne sais pas, d'un autre sujet que de son sujet à elle, eh bien, elle ne saura pas. Eh bien, pour moi, ce n'est pas une, c'est pas être intelligent. L'intelligence, c'est pour moi, personnellement, encore une fois, hein, je dis bien, pour moi, c'est parler un peu de tout. Voilà. On s'intéresse un peu de tout. On s'intéresse au sport, on s'intéresse à la planète, on s'intéresse aux animaux, on s'intéresse au point de vue astral, on s'intéresse à la famille. Enfin, il y a plein de choses et qu'avec les intellectuels, vous ne savez pas, vous ne savez pas avoir un dialogue. Donc voilà, ne vous sous-estimez pas parce que, et si vous êtes intellectuel, eh ben, vous n'êtes pas manuel. Par contre, si vous êtes les deux, ben, c'est parfait, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas les deux, excusez-moi, hein, il ne faut pas vous sous-estimer. Très beau message, n'est-ce pas? Et puis je termine avec Ho'oponopono. Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous. Avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Voilà le message de Ho'oponopono. Et je rebondis hein, avec ce que je viens de vous expliquer. Je connais une personne qui a un enfant et qui n'est pas douée, très 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 douée pour l'école. Elle a vraiment des difficultés, mais par contre, elle est douée, elle est très très douée dans tout ce qui est artistique. Voyez ? Elle n'est pas douée pour faire des grandes études, mais par contre, elle est très, très douée au point de vue artistique. Donc, ne vous sous-estimez pas. Et personne n'est supérieur à une autre personne. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.